Jeg tror, jeg skal være far. Tillykke. Hej, mor. Så skal du være mor. Nå, hvad fanden lige, mand? Ja. Okay. Så datter på Louise, typ. Han skal være far nu. Må sgu sørge for, at den får en ordentlig uddannelse. Du kan ikke kende mig? Nej. Nej, jeg har set dig nede i videoforandringen dernede. Det er ikke det, vi har talt om. Hvad mener du? Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinéfeuze. Salut. On est très heureux de vous retrouver. Alors, vous voyez, le petit air malicieux hein, de Fabien qui est dans son... Ah, on va jouer avec qui il joue. Bon, vous avez déjà ce qui est écrit en bas, mais c'est pas grave. Nicolas Vendegreffen. J'adore le faire. Il rigole pas comme ça. Il rigole pas. C'est que dépend quel Nicolas, c'est le Nicolas en interview ou l'image, genre, hi, genre la planète des vampires, un Nicolas, bref. Alors, privé de joke, parce qu'on a vu la planète des vampires. Il est génial, il est génial. C'est horrible, le film. C'est un bout en train. Et dedans, en fait, il présente le film en étant le film archange qui a fait son cinéma. J'aime le cuir, j'aime les couleurs. Et en fait, il le présente de façon très austère avec... Ouais, c'est un peu second degré. Oui, bien sûr, c'est second degré. Nicolas Winding-Refn est devenu, alors... Après, c'est Winning Griffin, c'est-à-dire que c'est second degré, mais... Faut que je fasse gaffe, hein, la dernière fois, j'ai imité Jodorowsky, là, c'est Refn, je crois que je serai jamais invité chez eux. On les aime, c'est pas le problème. C'est des personnages qui effectivement... Ils ont généré leur propre mythe. Voilà, exactement. Alors, effectivement, ils créent leur propre marque. On va en revenir un petit peu, parce qu'on va parler de Bleeder, qui est le deuxième film de Nicolas Winding Griffin, qu'il a fait après Pusher. 4 ans après, quand même. Avant, ouais, 4 ans après, mais bon, il a profité, genre ça. Ah bah oui. Et c'est un film qui en sort que maintenant, il était inédit en France. Mais toi, tu l'as défendu depuis le début de Cinéphase. Depuis le début, je disais que c'était mon préféré de Nicolas Winding Refn, parce que je l'avais vu à l'époque de Bronson, où on avait chroniqué Bronson. Lui, il adorait déjà les trois pushers, Bleeder. Voilà. Et ils ont décidé de le ressortir, restaurer et tout. Ouais. Le film n'avait pas forcément très bien marché. En fait, il l'explique, Winding Refn, dans l'interview qu'on a lu avec l'attaché de presse, enfin sur le dossier de presse, où il explique qu'en fait le film avait été acheté par une boîte internationale qui a fait faillite. Et du coup, le film a été très mal diffusé. C'est un film, c'est intéressant parce que Nicolas Winding Refn est devenu un peu. Il commence à être pas mal critiqué parce que finalement on le voit de plus en plus à la télé. Il s'est créé une sorte d'image en fait à lui pour se vendre. Hein. Je pense que sur le coup il est pas bête parce que il sait qu'il faut se créer une espèce de nom pour pouvoir vendre ses films. Il faut dire qu'en 2016 on en aura bouffé entre son. Alors c'est vrai qu'il y a eu Neon Demon. Il y a eu le documentaire de sa femme. Vachement bien. Qui est très cool. Il y a eu. Voilà la ressortie de Bleeder. Il y a eu la création de son label. Son label avec l'Arabia donc qui sort d'ailleurs. Qui sort aussi Bleeder, mais donc. Rappelons que le mec a déjà trois documentaires juste sur lui. Hein, donc, Non, mais c'est hallucinant. Quoi. Et moi aussi, hein, j'ai... Mais il a. Ma vie avec Romain de Cinéphone. Il a trouvé le truc, le mec est une marque. Oui, je pense qu'il a réussi. Donc là, maintenant, il commence à la fameuse abréviation NWR, qui n'était pas avant, qui est apparue là. Est-ce que c'est pas apparu depuis le documentaire, justement des pubs de mode, etc. Donc il. Et voilà, et c'est vrai qu'il manquait Bleeder, et c'est intéressant Bleeder parce que, et c'est pour ça que je disais qu'il aurait fallait qu'on en parle parce que c'est un film, c'est son deuxième film, donc c'est juste après Pusher, et le réel, le Nicolas Winding Refn du début de sa carrière est très différent du réel de maintenant, même si on voit des ponts. Tout à fait, oui, c'est vrai. C'est intéressant de revenir en arrière, notamment pour les gens qui l'ont totalement lâché, parce qu'il y a vraiment des pour et des contre maintenant. Et pour beaucoup de gens qui pensent que Nicolas Winding Refn, sa carrière commence à Drive, surtout, il y a une espèce d'avant-carrière. Il y a une deuxième carrière. Voilà. Il y a une deuxième carrière, mais il ne faut pas oublier ces films-là. Et je voudrais que Bleeder ait été justement un film fascinant pour cette première partie. On va raconter l'histoire. Donc nous, on l'a revu, Philippe... Tu l'avais vu il y a quelques temps. En fait, il est là parce que. Mais il est là parce qu'il était. Il est dans l'équipe, quoi. J'étais là et je voulais vous écouter parler. Mais donc, ouais, nous on l'a revu là, restauré, donc c'est ce qui va, ça valait le coup. Et donc, du coup, bon, on résume l'histoire. C'est un peu un mélange entre Clerks et Pusher. Je dis toujours ça, mais c'est bien résumé. C'est vrai, hein.
Parce que ça se passe dans un, notamment autour d'un vidéoclub. Et donc, en fait, on suit deux personnages. L'un qui est un gérant de vidéoclub, qui est Mads Mikkelsen, enfin plutôt l'employé du vidéoclub, qui est un cinéphile très introverti, qui n'ose pas parler à personne, bah, etc. C'est ne parle que de films. C'est rêve, et qui ressemble à Nicolas Winding Refn. Enfin, on se dit, putain, c'est Nicolas Winding Refn à l'époque, un mec qui ne sait pas parler, et qui va tomber amoureux. Il a du mal à communiquer autrement que par les films, en fait. D'où l'intonation de Fabien au tout début. Il y a des distances qui se créent entre les personnages quand ils parlent. Et lui, il va tomber amoureux d'une jeune femme pas loin, qui est interprétée par Liv Corfixen. Voilà, qui va devenir sa femme. Madame Nicolas. Et en même temps, on suit un autre personnage qui est l'acteur qui jouait le héros dans le premier Pusher. Tommy. Et un acteur très connu au Danemark, mais qui n'a pas vraiment une carrière, qui n'a pas explosé comme Mads Mikkelsen, justement. Bah, il fait plutôt de la télé. Maintenant, il fait Il fait beaucoup de télé, mais il ne fait plus partie du CRI. Il s'est engueulé notamment avec ce film. Leader. Et c'est vrai qu'il a une réputation d'un mec un peu dur, difficile. Plus extrême que. Et donc, lui, c'est un personnage qui, en fait, va avoir un enfant avec sa femme. Il a un enfant. Il vit dans un taudis avec sa femme, il a un boulot qu'il kiffe pas, et puis il va avoir un gosse. Ouais. Puis son beau est un nazi. Qui n'aide pas. Et c'est un skinhead. Beau frère, c'est un skinhead qui le fait vraiment. Qui fait un peu peur. Fait un peu peur. Tu te dis, mal barré quand même. Mmh. Et donc, du coup, il va entrer dans une dépression, et ça va être la fameuse spirale de la violence qui arrive tout le temps. La garce. Et donc le film a pas forcément une intrigue très structurée, parce qu'on suit un peu ces personnages qui se croisent autour du vidéoclub, autour des films, etc. Mais on sent une espèce d'énergie. C'est clairement la mise en scène nerveuse de Pusher, mais avec plus d'élégance. Oui, plus C'est Nicolas Winding Refn, parce qu'il explique que le Pusher, c'est vraiment presque un high concept, quoi. C'est voilà, un mec a perdu de la drogue, il faut qu'il le retrouve, sinon il va se faire tuer, voilà. Et donc c'est une journée d'enfer, quoi. Et donc là, dans Bleeder, il commence à essayer de raconter un peu ce qu'il est. Et moi, j'ai vu le film après, le premier documentaire qui est très intéressant qui avait été fait. Gambler. Blender. Non. Blender, non ? Gambler. Gambler, bah, je sais pas, c'est toujours avec. Blender, c'est un truc Blender. De cuisine. Oui, ce sera le prochain documentaire. Nicolas Blender, Nicolas Winding Refn, les recettes de cuisine de Nicolas Winding Refn. Tu le vois comme ça. Nicolas Winding Refn. Je veux que ça marche. Ça serait génial. Actualité. Avec son épouse. Cuisiner avec AWR Blender. Et donc, du coup. Oui, non, mais donc, du coup, tu vois un petit peu le. Voilà. C'est avec son tablier. Il commence à être plus personnel dans ce film. Et c'est très assez intéressant parce qu'effectivement, le personnage de Mads Mikkelsen lui ressemble beaucoup. On voit un peu ses références cinématographiques. La façon dont il filme le vidéoclub est assez hallucinante. Alors, c'est une espèce de caméra totalement en mouvement qui tourne dans tous les coins, etc. Qui filme dans les grands rayonnages. Ouais, en scope. C'est le premier film qui tourne en scope. Le scope qui va après tout le temps jouer. En fait, on est encore entre les deux parce que le Pusher, c'est vraiment du cinéma vérité. Et là, on est entre le cinéma vérité et un cinéma plus maniéré qui va ensuite faire avec Neon Demon, avec Only God Forgives, etc. On est encore dans cette espèce de culte du vidéoclub qu'il y avait dans les années 90. C'est ça, ouais. C'est ce qui est intéressant à revoir maintenant parce que c'est vraiment un film purement des années 90. Vous verrez des VHS, les amis. Des VHS. On va voir beaucoup. Hein. Et moi, c'est un film que je trouve touchant. Je trouve que c'est pas un film parfait, mais je trouve qu'il a plus d'énergie finalement et plus de sentiments et plus en tentant des trucs et même en ratant. Et ben finalement, il fait quelque chose de plus fort et de plus personnel qui me touche plus que Pusher en fait. Et je trouve c'est pour ça que ça a toujours été un de mes films préférés de lui en fait. Il est moins dans la preuve de soi. Il se contrôle moins en fait. Voilà. Ouais. Oui. On est plus dans le. Exactement. J'ai raconté un truc. Il veut plus montrer qu'il existe, maintenant il veut raconter un truc qui l'intéresse. Voilà, c'est un film qui prouve l'entre-deux de Winding Refn, qui est un mec qui parfois est très en contrôle, qui contrôle son image, qui est très sûr de lui, qui se vend comme une marque, et qui joue ce mec distancié, qui veut être l'héritier de Kubrick et de Jodorowsky. Et puis finalement, l'autre mec qui parfois il laisse passer dans son documentaire, dans Pusher 2, dans Bleeder, qui est un mec vachement plus en doute, vachement plus inquiet de sa personne, et beaucoup plus fragile en fait, et beaucoup plus qu'un vrai problème social avec le monde qui l'entoure. Et c'est un truc qui ce que j'aime bien, c'est cet entre-deux. C'est de voir à quel point il est sûr de lui, mais en fait, il n'est pas du tout sûr de lui. Et c'est ce que tu vois dans ce film-là en tout cas. Enfin, c'est ça qui m'intéresse.
Vas-y, c'est toi qui l'as vu, donc tu peux en parler. Moi, déjà d'une, je suis pas un fan de Pusher. C'est clairement de base, j'ai vu Pusher. Ouais, je l'ai pas vu peut-être dans des bonnes conditions. Je l'ai vu en DVD. On va faire le 2, moi. Alors, oui, le 2 et le 3, même le 3, qui est effectivement plus bizarre. Conceptuel, ouais, alors. Voilà. J'aime bien. Avec les mêmes acteurs, tiens, c'est cool. Le 1, je l'aime pas parce que tout simplement, j'ai pas l'impression qu'il m'apporte vraiment quelque chose ou qu'il apporte quelque chose au cinéma. Alors peut-être qu'à l'époque, ça a vraiment été un coup de poing, j'en sais rien. Et je l'aime pas formellement, j'aime pas trop le jeu des acteurs. Enfin, je trouve que ça fait vraiment premier film, de j'ai pas d'argent, je fais un concept, et puis j'essaie de me vendre pour faire un autre film. J'ai cette impression-là. Il faudrait que je le revoie, absolument. Et vraiment, j'ai vraiment envie depuis que j'ai revu Bleeder. J'ai vu Bleeder, j'étais impressionné. Je me suis dit, putain, il a les mêmes acteurs. Il a les mêmes décors. il a tout pareil que Pusher, sauf qu'il y a beaucoup plus de maîtrise. Il y a un vrai scénario, une vraie sensibilité, une vraie force et une vraie vision d'auteur, celle qu'on a plus tard, que tu vois dans Drive, tu sais, les distorsions de temps. Quand les gens, ils se parlent, tu dis, mais c'est carrément pas réaliste. On est dans un film de Nicolas Winding Refn, c'est-à-dire qu'on est dans son monde. Et dans Pusher, j'avais pas cette ambiance-là. Oui, on était encore dans une forme de quasi documentaire sur ouais, comme dit, cinéma réalité quoi. Ouais, c'est ça, exactement. D'ailleurs, là, c'est qui était fait parce qu'il n'avait pas l'argent. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il commence à encapsuler son propre monde dans. Ouais, d'ailleurs, il explique que effectivement la relation entre Mads Mikkelsen et donc sa femme, enfin celle qui va devenir sa femme, Liv Corfixen, ressemble beaucoup à la relation entre Ryan Gosling et Carey Mulligan dans Drive en fait. C'est ça. On dirait les origines de cette relation. D'ailleurs, elle est assez envoûtante. Hein. C'est un personnage qui est très effacé. Mais la mise en scène, elle est très insistante sur elle. Et du coup, c'est vrai que c'est. On sent qu'il est amoureux d'elle. Enfin, il explique c'est au moment où il tombait amoureux d'elle. Mais c'est intéressant parce que c'est un film où parfois je trouve pas tout réussi. Il a pas vraiment d'histoire. Il y a des moments où les structures sont pas. La cohérence de la fin, la seringue, tout ça, la punition infligée. Ça m'a marqué, hein, je me rappelle. C'est super perturbant. On va pas vous la dévoiler, mais c'est vraiment choquant. C'est pas très cohérent, mais c'est pas grave parce que c'est pas ça qui est important. C'est pas la cohérence, que les personnages ne sont plus vraiment cohérents dès l'instant où la relation est bizarre. On suit un personnage qui est extrêmement antipathique alors qu'on se dit, mec, t'aurais juste à être cool, à accepter, voilà, t'aimes ta femme, etc. Essaye de relâcher un peu la tension et tu verras que ta vie, en fait, t'as plus qu'à la croquer. Non, en fait. Et c'est super intéressant que Winnie Refn soit aussi sombre avec ce personnage parce qu'il dépeint une réalité dans son monde à lui, hein, ouais. Ok, et il t'amène dans un truc assez vampirique, c'est-à-dire que le monde est vampirique, le fait d'être dans une société qui en demande trop, bouffe, ouais. Voilà, il y aurait peut-être un regard sur les femmes qu'on demande trop, j'en sais rien, tu vois, il se fait bouffer par ça alors que non. Mais c'est un truc qui va encore redévelopper en Pusher 2 où il y a encore une idée de la paternité avec Ryan Nicholson. Oui, exactement, c'est vrai. Et ça va être redéveloppé, ça va être encore mieux d'ailleurs, mais il y a beaucoup de choses qui vont être refaites dans d'autres de ces films, peut-être bien ou mal, mais en tout cas. Ce film-là prouve qu'il y a quelque chose, il y a un cœur derrière le concept de Nicolas Winding. La trame narrative en parallèle entre les deux personnages, c'est super. Mais non, mais c'est un film qui est vraiment passionnant et qui est très rythmé. Alors juste comme ça, je ne spoil pas, mais le début du film, par exemple, c'est chaque personnage a sa propre bande son. Alors on les voit arriver en traveling comme ça, chaque personnage a sa propre bande son. Ça dure à drogue, un film. Ça fait très jeune auteur geek. Mais grave, mais ça fait tellement jeune réalisateur qui tente des trucs. Je sais pas si ça va marcher, mais je tente des trucs. Parce que Pusher, j'étais un peu enfermé. Mais tu sens qu'il tente des choses. C'est cool. Ah, ça fait penser à Kevin Smith, ce truc comme mais ça. Oui, ça, oui, mais ça. Tu penses à ce cinéma des années 90 ou aussi le cinéma en New York, enfin voilà, des choses comme ça. Mais c'est très côté un peu pop. À New York, oui, il dit qu'en fait c'est vachement inspiré de ses années à New York où il était cinéphile et il parlait à personne en fait. Et ouais, c'était donne. Non, mais voilà, mais je trouve ça que c'est pour ça que c'est un film intéressant. Pour les gens qui ont abandonné Winnie Griffin ou qui connaissent pas le début de sa carrière, ou les gens qui adorent Winnie Griffin, juste il faut voir ce film parce que vous allez, c'est une matrice pour comprendre un peu ce qu'il fait après. Oui, c'est vrai. Et que vous aimez ou que vous aimez pas, en fait. C'est ça qui est intéressant. Non, c'est vrai que c'est très pédagogique de revoir ce film maintenant, en fait. Moi, voilà. Je l'ai découvert, là, au cinéma. Il y a un restaurant en 4K qui est plutôt cool. Je me rappelle, parce que moi, j'avais vu dans un film qui était assez pourri. C'est un film qui est très granuleux, qui est quand même... Donc, ils ont gardé ce grain. Hein, ils ont gardé le côté crâne. Pas tout nettoyer. Je pense pas qu'il avait non plus tout l'argent du monde pour faire une lumière et une image complètement léchée. Non, mais quoi. Ils auraient pu tout restaurer et peaufiner et alléger. Tu vois, ça aurait été con. Mais non, mais c'est toujours important de dire qu'ils gardent les trucs et tout. L'authenticité. Voilà. Et donc, moi, je vous le conseille. Je sais pas dans combien de salles il va sortir, mais si il sort, fin octobre. Donc là, au moment où sort l'émission, jetez-y un coup d'œil et parlez-nous-en. Voilà.
Une dernière imitation. On en aura parlé hein, de ce mec. Go and see Bleed. This is my second. Il faudrait des lunettes. En fait, il faudrait tes lunettes. Et enfin, bref. Puis il faut que tu. Puis un petit survêt. Et un short avec une serviette. Ah, c'est vrai. Ah oui, il fait une petite jupe. Allez, à bientôt. Salut, ciao.